Guten Morgen. Es ist mir angenehm, hier diese Konferenz am Morgen anzufangen über das Thema deutsch-französische Versöhnung, Reconciliation franco-allemande. Soll diese deutsch-französische Versöhnung als Modell angeschaut werden oder nicht? Das ist das Thema, das uns heute Morgen beschäftigt. Normalerweise, normalement, je dois faire un long topo introductif. Normalerweise soll ich eine lange Problematik-Einführung machen, aber die mache ich sehr kurz, dass unsere Kollegen mehr Zeit haben, ihre Kommunikation zu machen. Je devrais faire normalement une introduction, mais je vais être très bref pour permettre à nos différents collègues de présenter leurs différents points de vue sur la question. Mesdames, Messieurs, quand on parle de réconciliation franco-allemande et de coopération franco-allemande, je voudrais dire deux, trois mots. Ce n'est pas une nouveauté, et c'est la première chose, de l'après 1945. Au lendemain de chaque grand conflit franco-allemand, il y a eu, à l'est et à l'ouest du Rhin, des gens qui ont estimé que l'avenir des deux pays passait par leur dialogue. C'est le cas après la guerre de 1870-71, c'est le cas après la Première Guerre mondiale avec des exemples fameux comme ceux-là, comme ceux de Briange-Stresemann, et c'est le cas après 1945. Et si on fait deux, trois remarques, ça devient tout simplement très éclairant, parce qu'on retrouve les mêmes milieux à l'œuvre. Ce sont les milieux économiques, les sidérurgistes dès la fin du XIXe siècle, et donc ce n'est pas un hasard s'il y a eu une communauté du charbon et de l'acier avec Schuman, les sidérurgistes dès la fin du XIXe siècle parlent de réconciliation franco-allemande. Les banquiers parlent de réconciliation franco-allemande, les milieux intellectuels parlent de réconciliation franco-allemande, et c'est le cas dès la fin du XIXe siècle, ce qui doit nous permettre de réfléchir à ce que cette réconciliation a de particulier après 1945. Elle est aussi fruit du contexte après 1945, parce qu'il faut quand même concrètement s'interroger sur la guerre froide et la pression qu'elle a exercée en matière de travail entre les deux pays. Je rappelle juste pour mémoire qu'avant sa fameuse déclaration du 9 mai, Robert Schuman a été invité par Dean Acheson à Washington, hein, et on lui a fixé aux États-Unis un terme, le sommet de l'OTAN de Londres de mai 1950, pour que la France change de politique extérieure. Donc, on ne peut pas passer sous silence le contexte en matière de réconciliation franco-allemande. Mais à partir du moment où elle s'est mise en œuvre, pas simplement à partir du traité de l'Élysée, vous me permettrez là aussi de corriger des légendes françaises, mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où elle s'est mise en œuvre, cette réconciliation franco-allemande repose sur des inégalités. Ce n'est pas le couple parfait. Quelles inégalités ? Très longtemps, jusqu'à la chute du mur, il y avait une suprématie politique française. Et il y avait une suprématie économique allemande. La réconciliation est de ce fait-là utilisée par les responsables de chaque pays à des fins intérieures. Toutes les élites françaises ont servi le discours du modèle allemand pour réformer la France. Et toutes les élites allemandes se sont servies de la réconciliation pour gagner des marges de manœuvre politique. C'est quelque chose qui est permanent à travers cela. Et donc, lorsque les deux, parce que c'est ça le traité de l'Élysée, lorsque les deux s'instituent en primi inter pares, le premier d'entre les pairs dans l'Europe des six, lorsque les deux donc, s'installent en primi inter pares,
la question se pose aussi des rapports de ce couple avec les autres pays. Et ça aussi, ça traverse tout le travail franco-allemand. Quel rapport on entretient avec les autres puissances maintenant qu'on est installé comme couple? C'est un premier point qu'il faut que peut-être très rapidement relever. Le deuxième point qu'il faut peut-être indiquer au point de départ, c'est le récit qu'on fait de cette réconciliation. C'est un récit, c'est un magnifique récit, c'est une très belle histoire, ça peut inspirer Hollywood. Deux ennemis s'embrassent, se réconcilient et ouvrent un avenir commun qui est l'avenir européen. Simplement, la question qui se pose, c'est qui véhicule ce discours? Pourquoi ce discours est véhiculé? À quoi sert ce discours? Et là, on a un certain nombre quand même de choses qui sont extrêmement importantes. Lorsque vous voulez vraiment rentrer dans l'application de ce discours, vous voyez les sujets qui fâchent entre les deux États apparaître. Les plus anciens, c'est un peu notre privilège de l'âge parmi nous, connaissent la volonté d'un certain nombre d'hommes politiques, le président Giscard d'Estaing entre autres, de supprimer la fête de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir en 1974 et donc il décide dès 1975 que les célébrations du 8 mai 1945, ça n'a plus de sens au moment de la réconciliation franco-allemande. Et donc il ne faut plus fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce fameux 8 mai 1945 qui était un jour férié en France, eh bien, disparaît. Or, quand Giscard décide de supprimer ce 8 mai 45, il explique, grand discours, je le cite, « Il est temps de tourner ensemble nos pensées franco-allemandes vers ce qui nous rapproche et nous unit. » Il y a eu un boycott immédiat de cette suppression du 8 mai 45 de toutes les organisations françaises issues de la résistance. Là, on est dans du franco-allemand dur, le couple. Je pourrais prendre un autre exemple. En 1998, première année de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, le président Chirac décide de fêter les 80 ans de l'armistice et dans son grand discours du 11 novembre 1998, il explique que le moment est venu de commémorer l'histoire commune, de nations combattantes. Les Français ont oublié, mais l'un des généraux les plus gradés de l'armée française, c'est un général 4 étoiles, vous voyez à quoi ça correspond, le général Clark de Dromatin, répond, alors que normalement un militaire ne répond jamais au président de la République, chef suprême des armées, le général Clark de Dromatin répond, s'il est justifié que la mémoire fasse apparaître l'atrocité de la guerre, il est primordial qu'elle ne confonde pas les acteurs dans un même, mesurez le propos, brouillard aseptisé. Donc, la tentative d'une espèce de mainmise de l'historiquement correct, c'est une tentative qui ne sera jamais totale. Et donc la réconciliation franco-allemande, c'est un processus qui nous amène à accepter nos désaccords, si je reprends la formule de Lionel Jospin, nos désaccords raisonnables. Et Lionel Jospin avait cette formule, tant que nous resterons des Français et des Allemands, tant que nos identités seront différentes, des décalages et des malentendus de mémoire subsisteront. C'est dans ce cadre-là qu'il faut peut-être inscrire le rapprochement franco-allemand. Et malgré nos différences, malgré nos divergences aussi, en fait, un discours a quand même progressivement émergé. C'est un discours qui tient en quelques mots. Le rapprochement est un modèle, il participe d'une œuvre civilisatrice, il identifie
l'Europe au couple franco-allemand, c'est quand même une vision très réductrice de la question européenne, et en fait, la construction de l'Europe est dorénavant la fonction historique des deux États. Cette réconciliation que les élites présentent comme un phénomène qui ne ressemble à nul autre, eh bien, il faut l'interroger. Est-ce qu'elle peut servir de modèle ? Est-ce qu'elle peut, par exemple, servir de modèle dans les Balkans ? Est-ce qu'elle peut servir de modèle à un autre processus de réconciliation européen, l'Allemagne et la Pologne ? Ou est-ce qu'elle peut aussi servir de modèle hors d'Europe ? Parce que les élites françaises qui mettent en scène la réconciliation franco-allemande devraient s'interroger sur la réconciliation entre la France et l'Algérie. Parce que là aussi, il y a peut-être des choses à creuser du point de vue de l'histoire politique. Eh bien, nous avons voulu ce matin, quand on a préparé la manifestation, interroger la relation franco-allemande. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de mes collègues ont accepté de participer à cette manifestation. Et je vais leur céder progressivement la parole, parce que l'idée, c'est d'essayer de voir comment certains acteurs abordent la question de la réconciliation franco-allemande et à partir de là, s'interroger si ce modèle est déclinable en Europe centrale et orientale ou ailleurs. Ou si, plutôt que de parler de modèle, il ne faut pas plutôt parler d'incitation, c'est-à-dire d'accepter le principe que les voies de la réconciliation sont très nombreuses, très diversifiées et qu'il n'y a pas qu'une voie qui est celle initiée par Berlin et Paris. Pour ce faire, the first speaker is our colleague Richard Weicker from the University of Münster. The speaker is two active civil societies, the Franco-German cooperation in everyday life. Mr. Weicker, you have the floor. Thank you.